Eh bien salut tout le monde, c'est Mister Joe, j'espère que vous allez toutes et tous bien et moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve sur One Piece Treasure Cruise comme vous le voyez. Donc aujourd'hui nous allons faire un donjon dont j'avais parlé la dernière fois, le festin à la montagne. Juste pour les skins, je veux juste les skins. Et en même temps c'est un peu pour voir le... pour présenter le donjon un petit peu comme d'habitude, hein. On ne tryhard pas, on fait ça tranquillou, c'est juste pour voir à quoi ressemble le donjon. Ceci dit j'ai un petit truc à dire, j'ai vu sur la dernière vidéo... C'est pas bien, j'avais pas mis des pouces bleus. Non, plus sérieusement, j'ai l'impression que vous êtes revenu de vacances vu qu'il y a une centaine de vues là-dessus. N'hésitez pas à aller voir toutes les autres vidéos que j'ai fait ou ne serait-ce que, enfin, que moi, ce que j'ai fait ou que Oz a fait ou que nous avons fait en duo, hein, c'est toujours cool d'aller voir parce que YouTube, comme vous le savez ou peut-être pas, pète un câble au niveau des suggestions de vidéos, hein, voyez, apparemment ça va vous proposer quelque chose que j'ai fait il y a 2 ans et du coup vous n'allez pas voir ce que je viens de faire ou ce qui est récent, donc c'est un peu dommage. Donc pensez à vous fouiller un petit peu sur la chaîne, voir ce qui est sorti il y a pas longtemps, voilà, comme ça soyez curieux, cliquez, si ça vous plaît pas bah ça vous plaît pas quoi. Voilà. Donc c'est parti les amis, il me semble que le boss est un personnage strong. Donc nous allons prendre une équipe tout simplement comme d'habitude, vous me connaissez, j'ai pas envie de faire la difficulté max lorsque je découvre, en tout cas pas lorsque je suis sûr d'avoir une équipe totalement pétée, hein, ce qui n'est pas souvent. Donc strong, quick étant ce qui est le plus fort contre les strong, on peut choper 3 personnages dont un rare en intel. Je ne sais pas du tout qui c'est, enfin si on sait qui c'est vu que c'est marqué dans le truc de la bannière des news, mais je sais pas qui est qui quoi. Donc c'est parti les amis, j'ai pris le classico avec Quick Ener qui permet de soigner. Touch pour booster les orbes, ma petite patte, tiens. Eh, vous avez tout compris, faut du quick. Du coup, qui va être pick aujourd'hui? Cavendish c'est pas mal aussi. Hein, hein, Cavendish c'est pas mal hein, aussi. Attaque des bains, ouais. Ok. Est-ce qu'on fait... Ouais, vas-y. Ouais, allez. Ouais, vas-y. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais... Allez, on fait stamina x2. On sait jamais si je chope le perso les personnages comme ça, je peux les avoir en plusieurs fois. Ce qui sert à augmenter des skills, je crois aussi. Je vous avoue que ça fait un moment que j'ai pas fusionné de perso du même type. Ok, c'est pas grave, full machin, no problemos. Bon, j'espère que je vais mieux jouer que la dernière fois parce que je vous avoue, je sais pas ce que j'ai eu la dernière fois. Franchement, j'ai essayé de vraiment bien jouer et les parfaits venaient pas. Et ça, c'est terrible. Ça va, ils font pas trop mal, c'est du 15 d'énergie. C'était vraiment infâme, je suis vraiment désolé encore. Même moi, je suis encore désolé de ce qui s'est passé sur la vidéo précédente. Ok. Je soigne que du 900. Je sais pas, et mon équipe n'a pas de RCV, c'est un truc de fou. Ok, ouais. En plus de pas avoir de RCV, elle a pas beaucoup d'attaque. Avec ça, je peux pas faire d'énormes donjons. Ou alors j'ai intérêt à tryhard comme jamais. Ok, pas de soucis. On va désinguer les petites tortues. On va charger un tour. On sait jamais, ça peut être utile. Voilà. 3 sur 7, ok. À quoi? No problemo. Ah, purée. Le timing de celui-là est un peu rapide. C'est pas grave. J'arrive mieux à faire des parfaits que la dernière fois, c'est déjà ça. Voilà. Un tour de plus de chargé. En plus, on gêne un peu de vie. Ok, bon, on aura double tortue si j'ai mis stamina x2. Pas mal ça. Alors, comme vous le savez, comme je le dis, dès que je peux, Usopp, enfin, il faut un personnage avec pas mal de combos pour désinguer les hippopotames, les hippos là, d'un coup.
Ok, on a eu un truc bien nul. Qu'est-ce que je fais? Je repère les timings, ça ne va pas. Ça ne va pas, il ne faut pas. Absolument pas. Voilà, on prend les tours qu'on peut. Parfait. 6 sur 7. Ah, Mister, Mister 3. Donc, je sais pas si on peut quand même looter les petits mecs à côté, parce que c'est pour ça que j'ai tendance à attaquer directement le boss. Parce que je connais One Piece et ils sont assez fourbes sur ce qui est des drops, hein, ils sont radins. Putain, j'ai eu un coffre. Tristesse. Voilà, on se fait arracher. Mais imaginez si j'avais eu un drop sur un autre mec, j'aurais pas pu avoir le... Enfin, c'est un peu bidon, mais j'aurais pas pu avoir le Mr. 3. J'aurais gâché ma chance, entre guillemets. Donc je préfère attaquer direct Mr. 3. Au moins, j'ai pas de regrets. Je ne suis associé de personne. Allez, stylé comme ça, Crocodile. Ok, je suis empoisonné. Rien à foutre. De toute façon, on va l'arracher. Qu'est-ce que tu fais toi? Dégâts non alimentaires, annule tous les effets bénéfiques de l'équipe et pendant 2 tours, voilà. Cavendish. Ok. Ensuite, améliorer les chances d'obtenir un emplacement quick. On va faire ça. Et d'ailleurs, j'ai dit n'importe quoi. Du coup, c'est pas pour booster les orbes, touch. C'est pour avoir des orbes. Au cours. Ok. Bon, j'ai rien eu pour l'instant. On a à croire. 1 million Cavendish, normal. Je veux bien qu'il se soit boosté l'attaque, mais enfin bon, c'est... C'est un peu abusé. Ok, bon, on a rencontré deux des personnages, je les ai pas eu malheureusement. C'est un petit peu dommage. x2, x2, x2. Ça c'est bien quand même d'avoir le truc x2. Mais en même temps, c'est bien si on chope ce qu'on veut, et si on chope pas, c'est plus embêtant. Qu'est-ce que ça fait là ce truc? Ça fait là ça aussi. Alors, je sais jamais où sont les trucs nouveaux, hein. Comme vous l'avez vu la dernière fois, c'était à moitié bugué. Où est-ce que je viens de recevoir ces bidons? Ok, on peut virer. J'ai un peu de place. De toute façon. est-ce que cette équipe pourrait passer avec en 30 d'énergie, tiens. Perso par type. Non, c'est favori. Favori. J'ai pas tant que ça de perso quick de fou. En tout cas, qui sont maxés. Ah, quoi que j'ai... Ah si, attendez. Si, on peut modifier. On peut modifier l'équipe. Ah, toi, je t'ai pris. T'as 700 d'attaque. Empoisonne tous les ennemis, c'est bien. Mais est-ce que je peux pas te replacer? Favori. Elle fait quoi déjà? Ça va, Tashigi affiche des dégâts quick. Malheureusement, t'as que 400 d'attaque. C'est vraiment pas du tout bien. Je vais prendre Miwok, tiens. On va tester avec Miwok. Voilà. Et on va augmenter parce que là ça m'a saoulé. Je vais pas passer mon temps à vendre les personnages non plus. J'ai pas que ça à faire. Allez, c'est parti.
Là par contre je vais prendre double soin. Je vais prendre double soin. Donc lequel de vous deux est le plus pété? 2534. Ah désolé, je prends celui qui est le mieux maxé. 1400. 2600. Bah c'est voilà. Dadan est le gagnant, incroyable. Attendez. Pour l'équité, je vais regarder le dernier, mais même s'il est level, voilà. C'est sûr, il est même pas le level max. Voilà, voilà, voilà. J'espère que ça va passer. Venez, eh. Hey. Vous savez quoi, je vais tout doubler. En a foutre. Parce que de toute façon, je vais peut-être pas rejouer de la journée, donc autant consommer toute l'énergie. Quitte à utiliser une gemme. Oui, j'ai bien dit que quitte à utiliser une gemme, j'en ai rien à foutre. Ok. De toute façon, j'y joue pas suffisamment. Comment dire, j'y joue pas tous les jours pour avoir besoin absolument de 1 million de gemmes non plus. Ok, 2000. C'est déjà un peu mieux de ce soin de 2000. Même si ça reste un peu limite. Hein. On va quand même charger sur la tortue. Voyez. Je peux me permettre de charger la tortue. Donc ça c'est 4 combos je crois. 5 combos au pire. Parce que je crois que la tortue a 24 de vie. Donc 24 combos là. Et bon, c'est toujours ça de prix. Zombie Zombo. Voilà. Parfait, pour l'instant je me foire pas. Ça passe. On charge le tour bien entendu, j'allais oublier. Pour ce qu'on prend en dommage, c'est pas grave. On se soigne largement ce qu'il faut. Okay. Bon, lui, il a beaucoup moins de vie, évidemment. Ensuite. Quitte à prendre un petit peu plus de 2000 de dommages, mais rester plus longtemps sur le donjon. Et après, vu qu'il restera de moins en moins d'ennemis, vous pourrez régénérer toute votre vie. Pour charger une Nostrask à fond d'ailleurs, comment on appelle ça? Les ultis? Non, je sais plus. On s'en fout un peu, hein, le principe c'est toujours l'attaque spéciale, attaque ulti, quel que soit le nom, ça reste pareil. Hein, c'est la même attaque. Ok. Le bateau est presque chargé. Miwok. Encore 10 tours il me faudrait. Donc ça par contre. L'hypo. Je vais direct le désinguer. Oups. Je croyais que c'était ciblé. Enfin, je désingue direct parce que. Voilà. Parce que sinon il nous fait un lien. Et c'est. Et les liens, c'est pas du tout sympa. J'ai pas besoin d'avoir de lien sur mes persos. Combien il fait de dommages lui? Un lien aléatoire. Sérieux? Sur combien de personnages? 2? 1? 2 tours sur 1. Okay. Pas de soucis. 2800? D'accord, on va pas te laisser en vie trop longtemps non plus, faut pas abuser. Ok. Je récupère mon perso et le lien, je suis presque full vie. Ok. Ça c'est gênant. Ça c'est gênant de tomber sur un dex direct. Voilà. Quelques tours pour charger. Encore 6 tours. Il faudra que j'arrive à charger tous mes spéciaux. Ça serait vraiment bien. J'ai failli le tuer. J'ai failli le tuer. J'ai eu peur. Et lui aussi il fait des liens psy. Il fait des liens intel je crois. Faut pas le laisser. 6 sur 7.
Donc là, le mieux à faire, je pense sincèrement que c'est utiliser l'ulti du bateau pour dézinguer. Le mec, c'est pas grave, on dézingue tout. Je veux réussir le donjon. Ok. Ça, c'est bon. Ça lui a fait assez mal en plus. Je vais avoir l'ulti de Mihawk à temps pour le balancer sur Crocodile à la fin. C'est parfait. Je pense qu'avoir Mihawk, ça quand même, ça change la donne. Ouh, un lock. Ok, un lock, mais par contre, je m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi mal. Donc à la limite, claquer Usopp dessus. Et je le pense sincèrement, hein, parce que là, il m'a démonté. Ouais. J'ai pas eu de jambonneau en plus pour Eugène. Donc j'ai du poison, ok. Donc ça fait pop. Damn. Damn, 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 damn. Ok. Donc on va faire un truc. On va faire ça. Sinon il me faut des quicks. Voilà. On va faire du petit Usopp maintenant. Même si je pourrais claquer le tour suivant, je préfère le faire maintenant. Comme ça c'est fait. Je fais le Mihawk pour enlever 30% de ses HP. Voilà. Et ensuite j'attaque. En essayant de faire que des parfaits. Que des parfaits, j'ai dit. Le poison fait trop mal. J'ai laissé qu'il réduit les HP de tous les ennemis, donc ça c'est bien. Et retarde leur attaque d'un tour. Sachant qu'il est encore retardé. Ça vaut pas le coup que je le fasse en fait. Je pourrais le faire mais ça me sert à rien là. Je sais pas si à 20% de sa vie il fait quelque chose. Ouais, des jambonneaux, please! Augmentation de la défense, va te faire. Ça va, c'est pas 99 tours d'empoisonnement. Mais c'est quand même bien relou. Effectivement. Je vais rien faire pendant 3 tours. Des jambonneaux, please. Purée, j'ai pas de jambonneaux, c'est un truc de fou. C'est hallucinant. Comme je me fais douiller. Je vais pas loquer ces trucs-là en plus. C'est totalement bidon. Ouais, je fais quand même 21 000. Là, bon bah j'ai pas le choix, hein. Faut que je le retarde un tour supplémentaire. Je meurs le tour prochain, c'est obligé. Ça log, du coup je pourrais pas avoir de jambonneau. Non. Je vais devoir utiliser une gemme, non. Faut faire ça. Hein. Saleté. L'animation est stylée. Voilà, il fait du 10 000. Bon là, vous êtes témoin jusqu'au fond de ma vie. Alors j'utilise une gemme. De toute façon, j'ai pensé x2 stamina, donc j'utilise la gemme. Mais ça a passé, sauf que j'ai pas eu de bol. Mais genre vraiment pas. C'est un truc de fou, hein, sur... J'ai vraiment pas eu de bol sur... Sur les jambonneaux. J'ai eu aucun jambonneau. Je suis blasé pour ça. Je suis blasé pour ça. Mais sinon, la OG aurait pu être bien, ça aurait boosté mes orbes, à la limite. Alors là, je viens de faire... Je sais pas si on peut appeler ça... Non, non, normalement, il devrait mourir. Mais j'avais oublié que... Double attaque des... Personnage de type quick, ok on a attaque doublée, j'avais oublié ce qu'il faisait, je croyais qu'il faisait qu'attaquer mais non. J'avais oublié qu'on perdait autant de HP. Ok. Ah oh, j'ai eu un coffre. Ah dommage, dommage j'ai eu un coffre. Je pensais avoir le personnage, ça aurait été bien. Bon voilà j'ai réussi en consommant une gemme.
J'aime savoir, c'est pas la mort. J'ai vraiment pas eu de bol avec, comme je vous ai dit, sur les régènes. J'ai eu le bouquin de Touch. C'est bon ça. Ok. Non, il va s'amuser. Sérieux, on peut plus afficher l'écran même. Tu vas pas me l'afficher là. Je t'ai eu. Ok. Les tortues jusqu'au 11, d'accord. Comme d'habitude, ça n'a pas changé. Sur ce, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Et on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Allez, bye bye tout le monde.